Bonsoir, maman. Bienvenue, ma fille. Et ta petite famille, comment va-t-elle? Ça va un peu, et chez vous? Ça va très bien. C'est que tu ne viens jamais me voir que lorsque moi-même je te fais appel. Aïe, maman, toi-même tu connais très bien. Pour un simple déplacement, il fait toujours des boucans autour de ça. Même pour venir voir tes parents? À vous pense que chaque fois quand je me rends en famille, c'est pour parler de lui. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas encore? C'est toujours à propos de sa pute de Fatou qu'il est devenu insupportable. Tu l'as déjà vu avec elle? Ou bien est-elle venue une seule fois à la maison? Venir où, maman? Tu rêves, non? Wallah, Nini, il m'en est fait. Si je la tue pas, yo. Mais il paraît qu'elle viendra pour t'aider, non? Aider qui? Moi? Peut-être mon cadavre, sinon je pense pas. Tout va s'arranger, ma fille. Ne sois pas craintive. Hé, hey, maman, je ne peux pas ne pas craindre. Rien que ce matin, au moment où il prenait son café, il a failli me gifler parce que j'ai prononcé le nom de sa pute de Fatou là. C'est que certainement tu as dit des insanités à son égard. Si de façon je connais ton mari, il n'ose pas agir de la sorte sans raison. Maman, tu veux l'aider maintenant? Tuez-moi, là vous serez en paix. Allez, viens, laisse tomber ce sujet, je vais te donner des conseils pour le problème de tracasse. Maman, à cause de cette pute de Fatou, je ne peux même pas dormir ni manger. Tout va finir, ma fille. Il faut être patiente afin de trouver une faille dans le comportement de cette fille pour la faire détester par ton mari. Maman, tu connais ces hommes-là plus que moi. Quand ils se collent à ces gars-là, on peut même plus faire quelque chose. Bon, maman, je vais rentrer. Il faut être très aimable avec ton mari. Malgré son comportement, il finira par t'écouter et ensuite tu engageras la deuxième phase. Bon, Mimi. Je ne sais pas quand est-ce que j'irai là. Hein. Je dois recevoir une mission venue de Ouaga. Mais Dieu seul sait quand est-ce qu'ils vont finir avec moi. Hein. Ah oui. Abou, tu as oublié, non? Ah, quoi? Mon tissu sans la Ouli. Ah. Mais je n'ai pas de monnaie à ce moment. Tu ne peux pas attendre mon retour. C'est pas toi qui viens de dire que tu ne sais pas quand est-ce que tu serais de retour. Moi, je suis dans les airs ce matin là. Bon, attends. Là, on va voir. D'accord. Bon, tu disais 6 mètres à raison de 800 francs le mètre. Oui. C'est bien ça? Si mes calculs sont exacts, ça fait 4800. D'accord. Tiens, voilà, tu vas me garder mes 200 francs. Tu as compris? Ok. Mais, et mon prix de taxi, ou bien tu vas me déposer? Te déposer? Pas question. D'ailleurs, garde les 200 francs là, ça pourra te servir. Tu es un vrai juif, quoi. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. C'est tout simplement de dire merci et puis c'est tout. Ah, c'est mieux pour toi, en tout cas. Bonjour, Irène. Bonjour, monsieur. Hein? C'est quoi qui t'amène? Tu sais, je ne vais pas tourner. Ce qui m'amène là, c'est très simple. Je veux que chez Fatou, là, ce soit un sens interdit pour toi. Tu as compris? C'est chez toi? Ça fait une affaire de c'est chez moi, hein. Toi là. Parce que toi, tu n'es qu'une imbécile qui cherche des problèmes là où il n'y a pas. Et puis, si tu ne fais pas attention, tu les auras aussi. Toi, tu n'es qu'un inconscient. Tu ne penses qu'à profiter des pauvres innocentes. Je ne pense qu'à profiter des pauvres innocentes. Mais pas comme toi, en tout cas. Parce que toi, tu as obtenu le brevet de l'hypocrisie. Tu as compris? Et puis, une chose là, hein. Il faut cesser de te promener dans mes jambes là. Sinon, un jour, je vais te casser le cou. Oui? Tu peux dire ça aujourd'hui. Aujourd'hui, je le dis. Demain même, je dirai pire que ça. Dans tout ça, tu veux menacer, non? Tu as pris ça pour moi, non? J'ai pitié de cette fille qui vient de tomber les yeux fermés dans ton affaire, là. Oui. Mais moi, hein, je plains le sort de l'âne qui vient de se faire charger, soit disant que lui, il veut t'aimer. C'est tout ton François, là. Au nom de maman, Allemagne, j'ai pas trouvé un homme aussi bête que ce mec-là. Dis-moi pourquoi tu es là. Hé! Hey, pourquoi je suis là? Ça se résume seulement en deux phrases. Hein? Chef Fatou, là. Sans s'interdire pour toi, sinon si tu y vas, au nom de Irène, tu vas le regretter un jour. Ça, je n'irai pas avec le dos de la cuillère. Et deuxièmement, hein, petite tête là, sans rien dedans là, inconsciente de surcroît là. Il faut hein, t'occuper uniquement de tes oignons. Je pense que ce serait mieux pour ta peau. Quoi. Tu as peur qu'elle ne te connaisse? Me connaître, ouais. Pourquoi? J'ai peur plutôt qu'elle te ressemble. Parce que si elle te ressemble, c'est la gangrène de la société. Parce que toi, tu te trouves dans les numéros qu'il faut éliminer même de la planète. Là. Oh. Tu rendras compte un jour à Dieu. C'est ça, oui. Dieu, il m'attend bien, bien. Comme toi, tu es Jésus là. Toi, tu n'as pas de faute. Je pars pas. Sinon, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Toi, tu peux faire quoi? Ah, non, le mot flingue. Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi oui? Oui? Bonjour madame Abou, comment ça va? Très bien, et chez toi? Tu es charmante ce matin. Quand est ton cher mari a pu bien te donner la nuit? Quoi? Toi tu parles? Il est plutôt occupé ailleurs.
Quand il rentre, il est toujours KO. KO? Tu as dit que chaque jour, il arrive tout sous. Comment tout sous? Tu fais par esprit ou quoi? Je ne comprends rien dans tout ce que tu viens de me dire. Voilà, j'ai une co-épouse maintenant, tu as compris? Quoi? Où est-elle? Aïe! Décidément, hein? Tu joues à quel jeu, toi? Jouer? Je ne te comprends vraiment pas. Bon, ouvre bien tes deux oreilles, d'accord? Mon mari veut prendre une autre femme. Hein? Et ça vaut 6 mois de cela, hein? Il ne jure que par elle. Qui est cette bordel qui veut déranger ton foyer? Hé, ma soeur, tu as vu juste. C'est une fille qui se trouve soi-disant salon de coiffure ou quoi, là. Tu la connais? Comment est-elle? Eh, d'après les gens, hein? Qu'elle s'appelle Fatou Traoré ou quoi? Il paraît qu'elle n'est pas mal, hein? Mais moi, je m'en fous. Fatou Traoré? C'est là, elle me dit quelque chose. Si c'est la même, là, c'est grave, hein? Ah! Elle ne fait que fréquenter les marabouts pour plumer les maris des gens. Tu connais sa copine Germaine? Germaine? Hein? Non, je ne me suis pas trompée. Elles se suivent comme deux jumelles. Je vais te dire, ma chère. Je t'écoute. Regarde bien, tu vois cette trace-là? Hein? C'est à cause de cette grâce de Germaine que mon ancien copain m'a fait ça. Il m'a battue. Parce que j'ai osé demander à sa grâce de copine ce qui se passait entre eux. Ensuite, il m'a viré pour elle. Eh, ma pauvre, tu as dû souffrir de... Depuis ce temps-là, je guette une occasion pour me venger de celle-là. Je ne suis pas sûre. Que Dieu nous aide. Sinon, ces filles-là, elles sont sans moralité, je te dis. Tu connais. Bon, je vais faire le marché. D'accord. Et toi? Non, j'ai déjà envoyé quelqu'un. Je vais faire la lessive. Merci. Bon, Hortense, on est à demain. Bonjour tout le monde. Alors, bien réveillé, ça tient? Oui. Monsieur Abou. Oui. Quelqu'un est venu te manquer ce matin. Mais c'était très tôt. Que me voulait-il? Il n'a rien dit de spécial, mais il comptait repasser pour te voir. Il dit que c'est très important. Ah bon? Mais il n'a pas donné d'heure? Je crois que c'est 11h ou 11h30 par là. D'accord, mais comme je ne vais pas sortir ce matin, bon, je pense que ça va aller. Merci bien. Ok. Ah. Allô? Bonjour. Monsieur Abou, ne quittez pas. Monsieur Abou, c'est pour vous. Prenez la ligne. Quel vieux qu'on a toujours dans des problèmes de jeunes filles. Lui, il croit qu'il ne vieillit pas. C'est les femmes qui vont le tuer. Ça va donc? Eh, bonjour chérie. Alors, ça va? Ah, faut pas t'inquiéter, t'en fais pas. Non, écoute, j'ai des trucs à terminer ce matin. Ouais, si tu peux attendre 23h, je pense que ça va aller. Non, t'en fais pas, je pense à ça. Non, tu seras satisfaite. Aïe, aïe, aïe. Oui, mon bijou. On fait comme ça. Voilà. Ah, tiens. Ah. Oh, tu vois, mon vieux. Ça ira. Hein? Madame, tu as si possible me toucher ce chèque-là avant 11h. Bon, parce que j'ai ce travail à finir d'ici midi. Je vais en profiter à acheter des chaussures pour mes enfants. Il n'y a pas de problème. Mais l'important est que moi je sois servi à toi. C'est compris? D'accord. C'est encore pour donner des sous à cette petite qui a appelé ce matin. Eh, c'est bon. Ça tarde à avoir de toutes les couleurs. C'est terrible. Aïe. Bonjour Moïse. Bonjour madame. Ton patron, il travaille quand au juste? Ça fait plusieurs fois que je viens le manquer. Ça veut dire quoi ça? C'est pas la chance. Il était là tout de suite. Il est parti au marché pour chercher des boutons. Des boutons? C'est sur la figure il va les avoir. Dis plutôt qu'il est parti manger des brochettes au bord du goudron. Oui. C'est pas la peine. Je vais revenir après. Ah.
Tu sais, Abou, il faudra prendre au sérieux mon affaire du mariage là. Sinon, ma tante ne cessera jamais de m'angoisser à tout moment. Toi, tu penses que je m'amuse, Fatou? Mais je suis en train de me préparer en grand pour faire ton mariage, afin que tu ne sois pas déçu. Ou bien... Elle m'a laissé entendre aussi que de toute façon, nous sortons toujours là. Tu finiras par te lasser et cela risque de tout changer. Fatou, je te dis, ça c'est son point de vue à elle. Ce n'est pas mon point de vue à moi, ça. Hein? Tu sais, actuellement, il faut qu'on essaie de s'habituer, de se supporter afin de mieux se connaître. C'est pas bien pour nous deux. Hein? Au fait, tu as amené l'argent que je t'ai demandé au téléphone. Cette petite Fatou, elle n'oublie jamais ce genre de choses. Hein? Hé, là, toi, tu sais que je suis à toi. Je ne sais pas pour toi à qui je vais faire ça. Voilà. Il faut compter, hein. Merci, mon chéri. Tu sais, tu es très gentil avec moi. Moi, j'ai dit que je suis à toi. Oui, entrez. Oui, Fatou. Ça fait bien. Comment tu vas? Et ta copine? Bonjour, monsieur. Bonjour, jeune homme. Ça va? Très bien, monsieur. Salut. Quand est-ce que tu es arrivé? Hier soir. Et j'ai même continué à Bankura pour voir mes parents. Je compte repartir dans les 72 heures. Ton boulot, comment ça tourne? J'espère que votre contrat va durer longtemps, n'est-ce pas? Malheureusement, non. Raison pour laquelle j'ai filé Dada à Bankura pour voir les vieux, afin qu'ils fassent quelque chose pour moi. Tu crois toujours à ces choses-là, toi? Pourquoi pas? Mais tu ne connais rien à ce que je sache. Ce sont nos racines, ces trucs en question. Je t'ai vu ce midi. Qu'est-ce que tu m'apportes comme nouvelle? Est-ce qu'on peut se voir? C'est pour un problème sérieux. Tu permets? Je vais voir mon cousin avec moi. Oui, oui, oui. Pas de problème. Moi, je n'aime pas ce genre de choses. Les femmes-là, ils me racontaient des histoires de ce genre de cousin endormi debout là. Ça ne marche pas chez moi. Elle viendra me trouver ici. Quel cousin, ça? Boy. Qui est cet homme haché sur toi, là? C'est pour ça que tu veux me voir. Oh non, mais... Il n'y a pas de mais. Dis-moi ce que tu as à me dire. Pourquoi cette curiosité même? Enfin, c'est Gaussi qui m'a dit de passer te voir et te demander des excuses pour ce qu'il t'a fait. Et... Arrête, Salif. Je ne veux plus entendre parler de Gaussi. Tu comprends? Plus jamais. Donc mon cher, je préfère qu'on s'arrête là. Et au revoir. Chef, Fatou, non, t'as pas perdu le temps, toi. À moins de 5 minutes, tu as fini. Tu es expéditive, hein? Abou, je te connais, tu me connais. Ah. C'est pas la peine de tourner. Tu veux savoir qui est ce jeune homme et de quoi on a parlé? C'est ça, non? Non, ça va. Moi, je te fais confiance, toi aussi. Ça va? Bon, si vraiment c'est au fond de toi, c'est bien. Bon, Fatou, écoute, tu me rejoins à 20h au maquis. Présentement, je vais à un rendez-vous d'affaires très important. Mais t'inquiète pas, hein, ce rendez-vous, c'est pour des sous, quoi. Bon, on se retrouve là-bas. T'en fais pas, ne te dérange pas. Hein. Bon. T'es mon chou blessé. On se revoit, mon chéri. À bientôt, mon chéri. Bonjour tout le monde. Alors bonjour Ladi. Ça va? Madame, vous allez bien? Je vais bien. Et toi? Oh, je me débrouille. Bon Ladi, je peux t'avoir une minute là. Je t'ai vu chez toi ce mois-là. Est-ce que ça va? Ladi, je ne veux pas de protocole avec toi. Tu me payes simplement et moi je retourne. Un point, c'est tout. Voilà. Tu sais? Je ne sais rien du tout. Tu vois, Laïe, moi j'ai assez téléphoné. Hein. J'ai fait des va-et-vient. Voilà bientôt 3 mois. Mais au fait, Laïe, toi tu penses que le gaz que moi je gère là-haut, moi je le fabrique, non? Il faut que tu comprennes que les affaires ne marchent plus maintenant comme avant. Oui, il faut que je comprenne, c'est ça. Là, tu dois me prendre pour le premier des imbéciles. Tu sais que je suis au courant qu'il y a bientôt un mois, tu te sers en gaz chez Shell. Là. Tu crois que je ne sais pas au courant? Qui t'a dit ça? C'est pas vrai? C'était toujours pour satisfaire une urgence. Oui, oui, pour satisfaire une urgence, ça c'est clair. Là, c'est malin. Hein. Là où on doit, là, on vire ça afin d'éviter de régler le contentieux. Après, là, moi, je suis pas ton enfant. De... Bon. Ah bon? Il faut comprendre. Je vais te régler ça d'ici demain à 15h. Je vais avoir un virement demain matin. Oh, avec ou sans virement, là, moi, en tout cas, je vais partir, mais prochainement, si tu me vois venir ici, c'est avec un huissier de justice, parce que je suis fatigué de régler ça à l'amiable avec toi. Tu as compris?
Moi, je ne veux pas d'ennui. Hein. Non, je te promets que ça va marcher, Inch'Allah. Hé, hey, Ladji, marcher ou pas marcher, demain 15h, moi je suis là en tout cas. Ça, tu peux en être certain. C'est quoi ça? Bon, au revoir, madame. Hein. À bientôt. Il faut me retourner, ça pour me retourner. Tu vois ces jeunes impolis là? Pour une bagarre tête de rien, il vient parler fort comme s'il peut au moins Ladji me faire quelque chose. Ladji, avec ces jeunes là, il faut faire attention d'eux. Ils ne reculent devant rien pour faire ce qu'ils disent. Non, c'est parce que tu es là que tu n'as pas voulu mettre à sa place. Tu es le tout petit pour me menacer. Bon, Ladji, je vais devoir rentrer. Qu'est-ce que tu dis pour mes 20 000 que je t'ai demandé? Ma chère, tu sais que je ne peux rien te refuser. Tu as deviné me trouver, tu sais, ce soir à 20h. Sans faute, j'y sais. Qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Mon vélo s'est cassé. Et ensuite, tu veux que je fasse quoi? Mais papa, il faut que je l'amène chez le soudeur. Ah, encore des soins enlevés. Tu pouvais pas rouler doucement? Depuis le jour que tu me l'as acheté, il était déjà tout rouillé. C'est normal que ça s'est cassé. Oh, bref, combien fait la soudure? Le soudeur de 1500 francs. Pour une petite soudure comme ça, 1500 francs? Tu n'as pas essayé ailleurs? C'est trop cher ça. Ailleurs, je sais que ça coûte plus que ça, mais avec Adama 1500, c'est bon. Si ça aborde là, pourquoi tu viens ici? Il fallait payer toi-même là. Passe-moi ta moto là. Je suis tombé en panne juste à côté. Heureusement que c'était pas loin. Je vais pour des courses. Bon, pas de problème. Ah bon? Mais Abou, je t'en prie quoi. Oui. Quand tu circules, il faut regarder tout droit devant toi. Parce que de la manière dont je te connais là, tu aimes trop regarder les filles. Ah. Faut tout faire pour ne pas renverser. Ah, on t'a déjà dit que moi en roulant, je suis tombé parce que j'ai regardé les filles ou bien j'ai déjà connu quelqu'un. Pardon, là, on se connaît, non. Ça va pas, hein. Tu sont radés. Je vais pour des business dessous là. C'est sûr que si ça marche, d'ici ce soir là, mon vieux, ça va péter des flammes d'amour. Hein. Oh, tu peux compter sur moi. Bon, nous allons vous attendre, toi et Anne. Il n'y a pas de problème, ma chérie. Préparez-vous sur moi. Devant vous quand vous circulez. Mais toi tu es malade là. C'est comme ça on t'a appris à l'auto la conduite. Tu freines brusquement devant quelqu'un et puis tu veux gueuler encore. Ça va pas chez toi. Si elle est malade, c'est bien toi. Comment veux-tu regarder en arrière pendant que ah tu bon, si tu continues à gueuler bêtement, tu vas me fâcher, mais ça va te coûter cher, tu as compris? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que tu peux me dire? Qu'est-ce que moi je vais te faire? Pourquoi? Comment tu te permets de freiner brusquement devant quelqu'un qui est en train de qu'est-ce circuler? Qu'est-ce que tu ça passe, veut dire quoi ça? Ah, c'est monsieur Abou. Oh oui. Bonjour. Oui, ça va ça bien. Va. Oui, ça va très la bien. Famille. Oui, ça va. Bien. Mais c'est pas cette habitude d'Atiman là. Il se permet de freiner brusquement devant moi pendant que j'arrive. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est passé. Mais chef, celui qui m'est rentré dedans par derrière quand je voulais m'arrêter. Mais regarde-moi ça. Tiens. Et puis, tu n'as même pas de voilà. Feu rouge, j'ai plus besoin de feu de stop. Comment peux-tu justifier cela? Ah, chef, vraiment, je vais toujours sortir du garage pour aller à la maison. Bon, c'est attends. Pour un essai après. Vous, les chauffeurs de taxi, on vous connaît. Ah. Je ne veux pas te créer de problème. De ce fait, demande des excuses au monsieur. Comme il n'y a pas de dégâts, et ça passe. Et puis, dans tout ça, ce n'est même pas ma mobilette. Tu vois ça? Tu voulais me faire une sortie de l'argent pour rien, non? C'est quoi ça? Je vous demande pardon. Ah, en tout cas, vraiment, heureusement pour toi, si ça s'était gâté au nom de tu allais, même s'il faut vendre le taxi là pour payer ça, tu allais faire ça. C'est ça. Ouais, vous pouvez partir. Bon, je pense que comme vous êtes compris là, je pense que ça va. Y a ouais, pas mon de cher, problème. Bon. Donc, on va se, voilà. Ok, on va se répéter. Donc, on après. Se répète après. Voilà. Ouais, on va faire comme ça. Vraiment, Sikidou, toi, tu n'es pas malin à ce que je vois là. Tu cries fort pour appeler quelqu'un en pleine circulation. Tu as vu ce que tu as voulu créer là? Excuse-moi, Abou, j'ai pas fait exprès. Il fallait que je te parle, c'est très important. Ah bon? Oui. Oui, c'est pourquoi? C'est par rapport à ce matin. Ce matin, où ça? Je suis venu te manquer au service très tôt. Ah, c'est toi qui t'es venu ce matin au service? Oui. Mais c'est pour quel problème au juste? C'est Thierry qui m'a envoyé, c'est concernant un maître qui est malade et elle voulait que tu passes. Moi, je n'irai nulle part. S'il y a quelque chose qui concerne comme ordonnance Ahmed, qu'elle te remette ça pour moi, c'est tout. Voilà, je n'ai pas ce temps là, c'est quoi? Oui. Elle dit qu'il faut forcément que tu passes. Ah ça bon? Doit être quelque chose de très sérieux. Bon, écoute, appelez Sikiou. Tu veux qu'on s'entende? Il faut cesser de prendre ce genre de commission pour moi. Tu as compris? Alors, je pense que j'avais bien fait, mais si c'était ainsi, je vais lui dire ce que tu m'as dit. Voilà, c'est simple. À part affaire Ahmed, là, qui est entre Irène et moi, il n'y a plus rien d'autre entre elle et moi. Et puis, c'est un dossier classé et sans suite. Je ne veux pas d'emmerdement.
Oh, c'est quoi ça? Vraiment. Bon, et tiens, oui. L'autre jour, je l'entendais causer avec une de ses copines, d'une certaine Fatou. Oui. Qu'elle dit qu'elle ira voir et lui expliquer sa situation. Quoi? Allez voir Fatou. Au nom de Dieu, si elle veut plus que ses parents la reconnaissent, qu'elle aille voir Fatou. Au nom, je vais la sonner comme une cloche. Là, tu peux compter sur moi. Ah, ok, de toute façon, ça ne me regarde pas. Hein. Ah. Et puis, surtout, on ne s'est pas vu. Qu'on se voit pas. Moi, j'ai décidé et je ferai. Oh, attends, ici. Ah, okay. Elle va regretter de m'avoir connu. Tu veux compter sur moi? Ouais. Ça, moi, je n'ai pas le temps. Ça fait deux jours. Hein. Vraiment. Et les enfants? Ça va bien. Ah, Dieu merci. Je viens de chez ma mère comme ça. Ah. Oui, je vais escaler chez toi pour boire un peu d'eau fraîche. Tiens, c'est vrai. Ça fait deux jours vraiment. Ah, vraiment. Elle va bien. Ah, elle va bien. Merci. Ça va. Voilà. Ça tombe bien. Ah. J'allais justement arriver chez toi pour un problème. Yeah. Quel problème ça? Tu sais, ce soir-là, qu'il pleuve ou qu'il vente, j'irai dans le fameux maquis où vont André et ton mari. Ma chère, toi tu as de la chance hein, que l'on veut bien t'inviter là-bas. Tu bravo. N'as pas compris. Ah. Je ne serai pas invité. Hein. Ah. Mais j'irai pour régler les comptes à une garce nommée Germaine. Germaine? La copine de cette fameuse pute de Fatou là-haut. Exact. Je crois qu'ils se sont fait un partage. Toi, tu es en retard, toi. Mais ce soir-là, ça va tourner au vinaigre. Yeah. Ah, toi, Rado. Et toi? Moi? Je reste chez moi. Je ne vois pas la bordel qui va mettre pied là-bas. Je te jure que je vais la diviser en deux. Ça, pour ça, je ne m'amuse pas. Oh, toi, tu es vraiment peureuse. Il faut que tu passes ta vie à attendre chez toi. Moi, ce soir-là, ce soir en tout cas, André saura que le Soumala est le fils de Néré. T'as dit où, Douarado? Bon, moi, je vais aller me contenter devant mon petit écran de télé avec mes enfants, ce serait mieux. D'accord. Bon, d'accord. Comme ça, on va faire. Bonne journée. Merci. Ah, merci beaucoup. Bon frère. Ce soir, ça va chauffer. T'as toi, Radé. Bon ça a l'air bien glacé. Oui. Voilà. Zout. C'est ça. Moi-même, je m'occupe d'elle. Moi, j'ai moi, je m'occupe d'elle. Hein? Tiens-moi ça. Et mademoiselle, tu peux m'appeler le vendeur de viande, là. Bonsoir, monsieur. Oui. Vous m'avez appelé? Oui, oui. Hey, tu peux nous faire des jolis poulets, là. Bien garni. Hein? D'accord. Ok. Tout de suite. Voilà, c'est ça. Tu sais, André, passons la musique joue là. Voilà, et pas tout. Si tu pouvais garder un peu, j'ai envie. Non, après on va bisser. Non, moi j'ai envie de la prendre tout de suite, quoi. Voilà. Tiens, une autre, tu as mis ta ça. Voilà. Tu as bien la salle de Dokar? Non, à tout temps. À tout temps. Jidia, moi je vais danser, ça je ne peux pas laisser passer le temps là. Ça va, c'est un morceau qui monte quoi. Fais tout bien. D'accord. Ça va? Oui, ça va. On va aller tout là.